Une journée typique, là, elle est jamais typique. Une journée typique, là, ça n'existe pas. On passe au moins le quart ou au tiers de notre temps à l'extérieur du bureau, puis on voudrait en passer la moitié, si possible, à visiter les clients, à visiter leurs entreprises, à être en discussion avec eux. Et puis, que ce soit par courtoisie pour du développement d'affaires ou pour toute autre raison, pour gérer notre risque, pour suivre nos affaires. On a donc un bon quart à un tiers du temps est en développement d'affaires, puis en visite d'entreprise. Le reste du temps, il y a le temps d'analyser nos financements, de les monter, de les suivre. Et puis, il y a l'administration courante qui peut prendre parce qu'on a toujours un peu de contrôle, de documents, de la paperasse administrative. Ça fait partie de toutes les fonctions. Mais notre travail est un peu cédulé comme ça. Et puis, à tous les jours, il arrive des surprises. Des clients qui ont un besoin particulier, une urgence, un problème. Il ne faut pas sous-estimer les problèmes, mais les problèmes, c'est souvent des beaux défis à surmonter. Puis c'est là qu'on fait la différence. Donc, ça, c'est le quotidien d'un banquier. C'est en relation avec ses clients. C'est aussi présent dans la collectivité, dans la communauté. Il y a un rayonnement d'affaires et puis, qui est important pour pouvoir développer. On devient, je pense, une des choses qui pourrait être intéressante, c'est, je crois qu'on est un acteur économique régional important quand on est dans le financement, puis dans le financement d'entreprises, entre autres. On est un levier économique important pour les entreprises. Et puis, notre présence, bien, je crois qu'elle fait une bonne différence au niveau de la capacité des entreprises de réaliser leur mandat, leur mission. Ça pourrait ressembler à notre quotidien.